Salut à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un vlog. Une fois n'est pas coutume, c'est vrai que j'ai rarement vlogué sur ma chaîne, mais là aujourd'hui je voulais vous proposer ça. Là je suis en week-end pour 4 jours, donc ça va me faire beaucoup de bien. Et je voulais vous proposer une vidéo en fait sur mon petit chaton que j'ai adopté depuis peu, hein, depuis 2 jours, qui s'appelle Vanille, qui est tout petit, qui a 3 mois, donc qui a été très correctement sevré, hein. Il a été longtemps avec sa maman. Et du coup je l'ai récupéré il y a pas longtemps, je l'ai mis en quarantaine voilà, pour une adaptation vraiment en douceur. Je l'ai mis en quarantaine dans ma chambre, je suis restée beaucoup avec lui. Donc il va bien, hein, il a l'air en forme, il a quand même rendez-vous chez le vétérinaire dans quelques jours, bah, pour voilà, un petit contrôle de routine pour vérifier que tout va bien. Et je vais vous filmer un petit peu la rencontre avec, bah, avec mes autres loulous, avec mes 4 autres chats qui sont des adultes. Donc ils sont très gentils, ils sont très doux, donc ça va bien se passer. Il va y avoir quelques crachats et quelques semaines d'adaptation, mais je suis pas inquiète. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça va vous plaire, et puis je vais vous présenter Vanille. Donc là vous voyez un petit peu 2 autres de mes chats, donc vous avez Fripon à gauche et ma petite Plume à droite, ils sont hyper sociables. Bon là ils ont pas l'air très motivés à rencontrer Vanille, qui est dans ma chambre, hein. Du coup j'ai dormi 2 nuits avec Vanille. Moi je préfère une adaptation en douceur. Là ça va être une adaptation assez ramollo, puisque les grands ont l'air de vouloir faire dodo. Vous avez mon Gizmo qui est ici aussi. Gizmo que j'ai eu il y a 10 ans, hein, donc bon, tout le monde dort, donc on va voir un petit peu comment se porte Vanille dans la chambre, et puis je vais lui ouvrir. Bon, j'ai retrouvé Vanille qui se trouve dans mes robes. Petit bonhomme, il se cache un petit peu. Ah bah oui, une robe qui est tombée, ça t'a servi de coussin mon petit. Coucou, coucou mon ange. Je vais te sortir un petit peu de là quand même. Ah mon petit cœur. Bah oui, bah oui. Tu es caché dans les robes. Non, bah oui mon petit. Coucou.
Ah, ma vieille Minette est rentrée et c'est la première fois qu'elle va voir le petit. Ça y est, elle l'a vu. Elle a été dans le jardin toute la matinée et tout le début de l'après-midi. Qu'elle n'avait pas encore eu l'occasion de le voir. Ah oui, petit loup. Ça fait beaucoup de chats d'un coup. Oh, ça fait beaucoup d'adultes. T'inquiète pas, ils sont hyper gentils, t'as vu. Il n'y en a pas un qui t'a craché dessus. Il n'y en a pas un qui t'a grondé. Ils sont hyper cool, t'inquiète pas. Alors, ça fait maintenant quelques jours que Vanille est avec moi, donc vous le voyez avec une drôle de tête. Ça a été une dure journée pour lui puisque il a vu le vétérinaire pour la toute première fois. Et comme je le suspectais, en fait, voilà, il a une petite gale dans les oreilles. Voilà, les yeux sont un tout petit peu attaqués, mais rien de grave, hein, rien d'inquiétant. Là, il est KO parce que malgré tout, pour lui, ça a été une épreuve, hein, cette séance chez le vétérinaire. Pourtant, il a été adorable, vraiment adorable. Donc là, il a besoin de repos. Du coup, il a eu un traitement contre les puces et contre les parasites. Ça doit aussi le fatiguer, hein, de devoir se gratter comme ça. Voilà, une prise de sang pour vérifier qu'il n'a pas le HIV, le sida du chat. Tout va bien. Hein, il n'est pas malade à ce niveau-là. Et puis voilà, du coup, vous le voyez un petit peu mouillé parce qu'il a eu une petite pipette au niveau du cou contre les parasites. Donc ça va lui débarrasser un petit peu de tout ça. Et puis vous le voyez mouillé également au niveau du visage parce qu'il a eu, des gouttes pour ses petits yeux et un produit qui se met dans les oreilles puisqu'il a les oreilles un petit peu infectées. Mais une fois de plus, rien de grave. Du coup, le petit bonhomme... Il va falloir se reposer un petit peu. Ben oui, au lieu d'attaquer mes doigts. Parce que ça a été une épreuve, hein. Mais, oulala, attends, si tu vas me faire mal, chérie. Mais une fois de plus, il a été adorable, vraiment. Voilà, donc je vais le laisser lui faire son petit dodo. Et puis, bah, du coup, son traitement, c'est pour une quinzaine de jours. Hein, donc, il a un petit médicament à prendre. Attention, chérie. Il a un petit médicament à prendre, là il l'a mangé dans une petite pâtée, donc c'est super, la prise du comprimé est facile. Donc c'est chouette, voilà. Je vais le laisser dormir tranquillement et reprendre ses esprits. Oui, hein. Allez, dors, mon petit chéri. Faire un gros dodo et puis demain tu penseras plus. Voilà, ça fait maintenant plus d'une semaine que Vanille a rejoint la famille. Et comme vous pouvez le voir, il s'est déjà fait un copain. C'est vraiment trop trop mignon. C'est la première fois que je le vois dormir contre Fripon, qui aime beaucoup Vanille et qui joue beaucoup avec lui. Tous les deux, ils sont copains et ça fait super plaisir. Non, 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 par contre, il ne mord pas les petits doigts. Et vraiment, c'est toujours hyper... hyper sympa en fait de voir que nos chats peuvent,
peuvent s'apprécier. Et là, je pense qu'il y a une belle histoire d'amitié entre ces deux-là. C'est vraiment trop mignon. Mais bon, Fripon, c'est vraiment un bonhomme. Mon petit noir et blanc, c'est un super bonhomme. Il est adorable. Je vous laisse écouter les ronrons. Bon, alors ça fait maintenant plus d'une semaine que Vanille est à la maison et c'est peut-être la troisième ou quatrième fois que je lave mes draps et je trouve que c'est important aussi de vous montrer cette partie-là, c'est-à-dire que oui, mon petit loulou, c'est-à-dire que quand vous adoptez un bébé chat, un bébé chien, bref un nouvel animal, il va probablement y avoir des problèmes et effectivement Vanille fait quand même pipi sur le lit, hein, donc on est en pleine éducation pour qu'il cesse de faire pipi sur le lit. Mais voilà, je tenais aussi à vous montrer ça parce que ça fait partie de la réalité et ça fait partie des choses qu'il faut supporter. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures, chérie? C'est parce que j'ai fermé la porte. Allez, viens, chérie, viens. Je t'ouvre la porte. Voilà. Je l'ai félicité parce qu'il vient de faire pipi dans sa litière. Oui, je disais donc qu'il est important pour moi de vous montrer un petit peu la réalité des choses, c'est-à-dire que c'est bien de vous montrer des belles images, etc. Mais ça fait partie aussi des... Il faut être conscient que voilà, adopter un nouvel animal, eh bien c'est aussi potentiellement des problèmes d'hygiène, de pipi qui ne sont pas au bon endroit, etc. Surtout quand on adopte un bébé. Donc bah écoutez, je vais mettre une énième fois mes draps dans la machine à laver. C'est parti. Regardez, maman Sora comme elle est belle. Oh, je suis trop contente. Elle m'a fait 3 nouvelles feuilles, vous voyez, elles sont très très claires. Et alors, je suis hyper surprise parce que elles sont déjà trouées. Elle est trop 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 belle. La seule qui était trouée jusque là, c'était celle-ci. Oh, on la voit pas très très bien. Hop, c'était celle-ci. Et vraiment ravie de voir qu'elle m'a fait 3 feuilles trouées. Elle est absolument magnifique. Je suis vraiment ravie, c'est vraiment trop 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 beau. J'adore cette plante, je suis ravie de l'avoir ajoutée dans ma collection. Je suis en train de faire du ménage et du rangement, il y en a vraiment besoin parce qu'un petit loulou qui court comme ça, forcément, ça fait beaucoup de poussière. Donc il y a du travail à faire pour l'appartement. Sachez que, alors moi je suis dans un appartement de 40 mètres carrés, j'ai oublié de le préciser en début de vidéo. Sachez que j'ai la chance d'avoir un jardin où du coup les petits peuvent courir à leur guise et c'est absolument génial.
Mais pour l'instant, tant que vanille est sous traitement, je préfère largement le laisser à l'intérieur, puisque comme ça, je peux vraiment l'attraper tous les soirs pour lui administrer son petit traitement. J'ai un petit peu peur que s'il va tout de suite dans le jardin, j'ai un petit peu du mal, comme il est minuscule, à l'attraper le soir pour lui donner son comprimé notamment, et puis lui nettoyer les oreilles et ses petits yeux. Donc actuellement, lui n'a pas accès au jardin. Sachez que mes chats, de toute façon, ils ont une chatière, donc ils font des allers-retours. Simplement, pour l'instant, Vanille n'a pas accès à ça. Là, il est en train de se cacher quelque part. Voilà, et je suis en train de ranger tout ce bordel. Donc voilà, c'est ça aussi d'avoir un chaton, c'est qu'il y a plein de trucs qui traînent partout. Faut ranger et nettoyer tout le temps. De toute façon, quand on a des chats, c'est comme ça. Et je trouvais important en fait de vous montrer, parce que voir des belles images d'animaux, c'est formidable et ça donne vraiment envie d'en avoir. Voir la réalité de ce que c'est en termes d'entretien de votre maison, de votre appartement, c'est quand même mieux pour, voilà, si jamais un jour vous voulez adopter un animal, c'est quand même mieux de savoir à quoi s'en tenir. Alors ça, si vous vous demandez ce que c'est des grattoirs qui viennent de chez Ikea. Bon, ça fait des années que je les ai. Et en fait, c'est censé se mettre, comme vous le voyez ici, c'est censé se mettre sur ça en fait, sur des... comment ça s'appelle ? Des pieds de table par exemple. Mais là, avec le petit bébé, autant vous dire que... Il les détache complètement, et puis j'ai pas des pieds de table évidents, parce que vous voyez, ils ont un angle, donc ça tient pas très très bien. Mais cela étant, voilà, ça devient un jeu pour les chats, ils jouent avec, donc je le rattache de temps en temps, puis c'est pas très très grave. Par contre, les chats adorent faire leur griffe sur ce truc là, du moins quand il est en place. Si jamais vous passez par Ikea et que vous avez des chats, je vous le recommande, moi ça fonctionne. Ça a toujours très 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 bien fonctionné, et j'ai mis du temps avant de trouver quelque chose pour qu'ils fassent leur griffe qu'ils aimaient. Et voilà mon petit chéri quand je me réveille le matin. Voilà, je vais finir sur cette vidéo. Je vous donnerai régulièrement des nouvelles du petit Vanille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Prenez soin de vous et de vos proches, et je vous dis à très bientôt.